Les Goncourt 2020. Ce lundi 30 novembre dernier a eu lieu la remise du prix Goncourt 2020. Le lauréat cette année est Hervé Le Tellier avec son roman L'Anomalie. Deux jours plus tard, c'est le jury du prix Goncourt des lycéens qui a récompensé Djaïali Amadou Amal pour son œuvre Les Impatientes. Hervé Le Tellier est mathématicien de formation, journaliste et docteur en linguistique. L'auteur de 63 ans écrit aussi bien romans que pièces de théâtre, poèmes, nouvelles, fables et bandes dessinées. Cette année, c'est son roman L'Anomalie qui reçoit l'un des plus prestigieux prix de la littérature française. À travers un mini-documentaire, nous vous proposons d'en découvrir plus sur cette œuvre. Anomale ? Vous pouvez aussi emprunter le livre sur la plateforme en ligne Culture Tech. De son côté, Djaïali Amadou Amal nous offre une lecture sur le sujet sensible des mariages forcés. Dans son livre, l'autrice camerounaise nous raconte l'histoire de trois femmes victimes de leurs conditions et met ainsi le doigt sur des sujets trop peu évoqués dans la société. C'est un témoignage poignant d'une injustice que Djaïali Amadou Amal a elle-même vécue à l'âge de 17 ans.